Salut à tous, petite vidéo, ça fait longtemps, oui je sais, sur un petit mouvement que j'aime bien faire, qui est tranquille, pas facile à faire, mais je l'ai appris il n'y a pas longtemps, donc j'aimerais vous montrer. C'est celui-là. Donc c'est parti, je te montre. On va faire ça sur quatre temps. Regarde. C'est un mélange d'arpège et de blocage de cordes. Blocage de cordes, mais pas un tchac. Pas de tchac. C'est un blocage de cordes en fermant le poing. Tu fermes le poing et tu bloques sur les cordes. Je vais te le faire avec un accord, l'accord de Mi. Je vais te faire le Mi mineur. On y va. 1, 2, 3. Ça va être la première partie, ça. 1, 2, 3. C'est un arpège. Tu mets ton pouce, la sixième corde grave. Et tes trois doigts, tu les mets aux trois dernières. Aux trois premières, si tu veux. Aux trois premières, plutôt. Ce qui donne 1. Je m'appuie sur les cordes pour les bloquer. 1, 2, 1, 2. Et juste après t'être posé sur les cordes, tu pinces. Tu vois? On reprend. Ok, on va voir la deuxième partie. On va voir la deuxième partie. Je vais t'enchaîner la première partie plus la deuxième partie. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Tu vois? Alors, 1, 2, 3, 4. 4. Après le 4, deux petits pincés. Tu fais deux petits pincés. 1. Il faut rester proche de ta caisse. 1, 2, tu te poses et de suite tu pinces. 3, et tu reposes pour pouvoir refaire les deux petits pincés pour pouvoir repartir après. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Repartir un arpège. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1,
Après, quand tu arrives à peu près à l'avoir, tu essaies d'accélérer. Je te le fais un peu plus vite. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Surtout ne pas t'arracher tes cordes, c'est... Allez, feu, c'est parti!